Gravando. Vai começar? É? Bom, Gareth, se você quiser, já que nós estamos fazendo uma fita sobre você, uma fita brasileira, você não quer dizer alguma coisa sobre o cinema brasileiro? Você já viu filmes brasileiros? Parlei português, italiano, francês, todo mundo... Naturalmente, já vi des filmes portugueses. Português, não. Brasileiro. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. J'ai vu quelques films à Gênes. Et c'était des films extraordinaires. Peut-être les plus beaux films que j'ai vus. Et c'était des films du Nord, n'est-ce pas? Du Nord du pays. Et dans une zone très désolée. Où il n'y avait... Et comment s'appelle-t-elle, ces plantes? Des cactus. Ah, voilà, des cactus. Des cactus énormes, sont... Des cactus chandeliers, je crois qu'on les appelle, non? Si, hein? Oui, je crois qu'on les appelle des cactus chandeliers. Et c'était très désolé. Il y avait quelques personnes et des soldats et puis une terre qui n'avait rien. Et puis tout d'un coup, un sacrifice terrible. Les gens ont tissé un bœuf et puis ils l'ont mangé vivant en lui arrachant les viandes. C'était terrible et très beau. Et très beau. Vraiment, je n'ai jamais rien vu d'aussi vivant et en même temps de si instructif sur la pauvreté, sur la nécessité que la pauvreté n'existe plus dans le monde. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau et d'aussi important. Dessa vez, você esteve aqui em São Paulo só? Você esteve aonde? Esteve em Minas e na Bahia? Chegou da Bahia quando? Hoje? Hier, je suis retourné hier soir, oui. Assez tard, hier soir. Comment estava là? Ah bien, j'ai parcouru le pays, et c'est un des pays, je crois, le plus riche de traditions. Il y a toutes les traditions, ça va jusqu'à l'origine du monde, et puis il y a le XVIIe siècle comme il n'existe nulle part au monde. Et puis on arrive jusqu'à nos jours, je crois, avec quelques écrivains de très grand talent et peut-être avec quelques cinéastes aussi de très grand talent, n'est-ce pas? Sûrement. C'est un pays extraordinaire dans tous les sens du mot. Dans tous les sens du mot. Et j'ai tout vu. J'ai été dans les cantons blés. Naturellement, je vais vous montrer. Et parce que je suis fils du saint, moi aussi. Vous voulez voir? Voyez-vous? Voyez-vous ce que j'ai? Ah ah, mais c'est vrai ça. Et je suis, qu'est-ce que je suis? Je suis... c'est de l'autre côté qu'il faut le mettre. Il faut le mettre comme ça. C'est comme ça qu'il faut le mettre. Ah, c'est comme ça, mais il faut le tenir. Il faut le dire. Ça, c'est... Je suis fils d'Oxala et d'Omoulou. Et d'Omoulou, c'est-à-dire du dieu de la création et puis du maître du monde. Et maintenant, on remet dans sa poche les instruments merveilleux. Et voilà, on les remet dans sa poche. Et voilà. Ah oui, je les remets dans ma poche. Et puis, quelle autre chose voulez-vous savoir? Encore de Bahia. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise de Bahia? Je vous parle des églises. Vous avez parlé là-bas à l'université, vous avez parlé de Dante, de la justice. J'ai parlé de Dante, naturellement, j'ai parlé de Dante. Et j'ai choisi un chant, le 10e, je crois, du paradis, et où il s'agit de la pauvreté, et où Dante met au paradis les hérétiques, où il met ensemble, et il met les hérétiques, et puis il met les ennemis. C'est l'ennemi qui présente l'ennemi. Comme un élu, n'est-ce pas? Si j'ai présenté et par saint Thomas, et saint Thomas a fait condamner si j'ai, n'est-ce pas? Alors il y a des choses extraordinaires dans ce chant qui termine par l'exaltation de la pauvreté, Le règne, il voit le jour, le grand jour.
qui n'arrivera jamais, le grand jour où il n'y aura plus d'argent dans le monde. Il n'y aura plus que des hommes qui seront pauvres, mais qui seront très riches, parce qu'ils auront une âme, non? Et voilà, voilà. Ungaretti, me disseram que você aqui em São Paulo está sentindo falta dos urubus. Ah oui, en effet, on ne voit plus d'oiseaux. Mais non seulement les urubus n'y sont plus, mais il n'y a plus d'autres oiseaux. Et ailleurs, il y a beaucoup moins d'oiseaux. Il y a beaucoup moins d'oiseaux. On coupe les arbres, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus d'oiseaux. Et en Italie, il n'y a plus d'oiseaux. Les oiseaux s'en vont du monde. Et là, les oiseaux, c'était la poésie. Il faut faire attention. Il faut faire revenir les oiseaux dans le monde. Hein? Oui, il faut faire revenir les oiseaux dans le monde. Et puis, quelle autre chose? Parler del mangiare di Bahia. Non, mais la canigna, ce n'est rien. Alors, nous avons rencontré un ami extraordinaire qui s'appelle comment? Qui s'appelle Giorgio Amado, naturellement. Et Giorgio Amado nous a conduit dans des restaurants où l'on mange la cuisine de Bahia, qui est la cuisine la meilleure du monde, surtout les choses douces. Ils ont des gâteaux qui sont infiniment bons. Hein? On ne sait pas ce qu'ils ont, ces gâteaux. Ils sont parfumés et ils sont pleins de rêves. C'est extraordinaire. On disait un jour que les bons gâteaux, c'était les sœurs qui les faisaient. Moi, je crois que ce sont les baïanes qui les font. Et voilà. Et puis, quelle autre chose? Il y a ce... Comment s'appelle la fille du Santos, du Candomblé, que vous avez rencontré, que vous avez connu? Comment s'appelle Mocinha? Non, Menininha. Menininha, quelle impression elle vous a faite? Ah, Menininha. Menininha, c'est une reine, c'est la reine Victoria, Menininha. C'est la reine Victoria. Elle a une éléphantiasis, mais on ne s'en aperçoit pas, parce qu'elle est habillée somptueusement et elle s'assied avec une grande dignité et sur son trône, n'est-ce pas? Et puis elle suit et elle dirige la danse des femmes. Parla del mercato. Qui participe à la cérémonie, parce que c'est une cérémonie qui est réglée comme un ballet et qui est profonde comme l'origine du monde. Elle est très belle, il y a des parties qui appartiennent à tant de siècles différents, il y a des parties qui sont du 17e, il y a des parties qui sont du 18e, il y a des parties qui sont plus anciennes, mais ensemble, l'ensemble est un spectacle extraordinairement beau et qui remonte aux origines du temps. Il y a toute l'histoire dans le Candomblé. Il y a toute l'histoire dans le Candomblé. Et c'est vraiment un grand spectacle. Un grand spectacle et une grande... C'est à l'origine du sacré. Ce n'est pas un spectacle ordinaire. C'est à l'origine du sacré, n'est-ce pas? C'est vraiment une chose sacrée, n'est-ce pas? Ce n'est pas une blague, le Candomblé. C'est une véritable chose très profonde, très enracinée, n'est-ce pas? Parlez de l'artiste de Bahia. Ah ben, Bahia est une ville qui est pleine d'artistes, qui est pleine, qui a des peintres. D'abord, la peinture, ils l'ont dans le sang à Bahia. La peinture et aussi les arts plastiques et la sculpture. Il y a la sculpture populaire. J'ai vu des statues, des bustes, n'est-ce pas, d'art populaire, qui sont aussi belles et peut-être plus belles que les statues d'Afrique, d'une beauté extraordinaire. Et naturellement beaucoup plus belles que les statues que font les artistes qui ont les couronnes et les académies. Incominceremo col parlare di Osvaldo Andrade. Benissimo. Osvaldo Andrade,
Ho conosciuto Osvaldo Andrade come un uomo che veniva dall'Italia e che aveva giocato tutte le sue carte verso un rinnovamento della letteratura italiana, non poteva non essere attratto da Osvaldo Andrade, che giocava tutte le sue carte, ma in un modo molto più ardito del mio, per un rinnovamento della letteratura brasiliana. E ci incontravamo quasi tutte le domeniche, credo, era la delle domeniche il giorno, erano le domeniche nel pomeriggio che si andava da Osvaldo Andrade. C'erano tanti amici che andavano a trovarlo e c'erano tante belle cose da Osvaldo Andrade. E non so se c'era un Picasso, non mi ricordo bene, ma ci doveva essere un Léger, un prodigo, e un prodigo per le cose belle, per le cose belle. Non so se siano state conservate le cose belle, oggi avrebbero raggiunto dei valori. Vabbè, in ogni caso era un prodigo, ed era un prodigo nel dare all'arte e alla poesia un significato intenso e un significato che potesse dare alla poesia di questo paese un valore che la mettesse quasi all'avanguardia della poesia del mondo. Era un uomo straordinario, un uomo generoso, generoso in tutti i sensi, nell'amore, in tutti i sensi. Non ho mai conosciuto un uomo generoso a quel modo, no? Generoso, molto generoso, molto generoso. E ora parliamo, io vi leggerò così una traduzione che ho fatto di Pau Brasil. Pau Brasil è una cosa di Osvaldo, fatta con dei brani presi da cronisti e poi con uno spirito suo dentro, che è molto curiosa. L'ho tradotta e vi leggerò la mia traduzione. Pau Brasil secondo le cronache. Primo cronista Pero Vaz Caminha. La scoperta. Seguimmo di lungo il nostro cammino per questo mare sino all'ottava di Pasqua. Ci imbattemmo in uccelli e udimmo vista di terra. I selvaggi mostrarono loro una gallina, quasi avevano paura d'essa e non volevano metterci la mano, e dopo l'afferrarono come spaventati. Fanciulle. Erano tre o quattro fanciulle molto bambine, con i capelli molto neri per le spalle e le vergogne loro molto in su e molto golosette, che noi benone occhieggiammo senza alcuna vergogna. Secondo cronista Gandavo, ospitalità, perché tale è la terra stessa e tanto favorevole a chi la cerca, tutti alberga e invita. Corografia alla forma di un'arpa, confina con le antissime terre delle Ande e con falde del Perù, le quali sono tanto superbe in cima alla terra che le passano gli uccelli a fatica, si dice.